YouTube, greu, c'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien. De retour aujourd'hui, messieurs, dames, pour une nouvelle session. Une session un petit peu. Comment on peut dire, ciblée, puisqu'on va faire aujourd'hui l'émission de bataille navale. Alors, petite précision, on avait dit qu'on préparait l'Aquila en conséquence, malheureusement, je n'ai pas assez de sous. On a à peu près trouvé l'astuce pour comment commercer et faire un petit peu de tunas de manière efficace. Le problème, c'est que je viens actuellement de perdre mon convoi. J'ai vraiment pas de chance avec ça, hein. J'ai 10% de chance de me faire agresser, et pourtant ça m'arrive tout le temps. Genre, dans ce jeu, on ne veut pas que j'ai des sous. C'est terrible. Bref, toutes les 12 minutes, j'ai des convois qui partent, qui reviennent, qui vont m'apporter des sommes qui oscillent entre 2000 et 3000 livres par convoi. Donc normalement, avec ce qu'on a envoyé dans un premier temps, bon, malheureusement, j'en ai déjà perdu un, on aurait dû toucher à peu près 5 à 6000 livres, sauf que là, j'en aurais un petit peu moins. Comment ça va se passer? Aujourd'hui, on va se faire toutes les missions du Captain Kidd. Il y en a 5, plus la récompense. Donc techniquement, ça fait 6 missions, il me semble. D'après ce qu'on dit dans le chat, j'en ai à peu près pour 1 heure et demie. Tout va dépendre de comment on joue et de comment on est efficace. Entre chaque mission, et si les convois reviennent en bon état, j'en profiterai avec l'argent récupéré pour racheter des pots et ensuite renvoyer les convois, ce qui nous permettra eh bien, de progresser dans le business plan, de faire monter les choses et donc d'acheter les deux dernières upgrades de l'Aquila manquant. Puisque je vous rappelle qu'il nous faut l'équivalent de 17 000 ici, pardon, et de 19 000, soit 36 000 livres, ce qui fait que c'est beaucoup. Petite chose, parce que je vois que dans le chat on en parle beaucoup. On a mis le jeu en japonais, d'accord. On avait dit qu'on essaierait à un moment. On s'est dit que c'était peut-être le meilleur moment de le faire. Donc je vous propose de vivre l'instant en ma compagnie. Et avant dessous, messieurs, dames, allons-y vers une mission du Captain Kidd qui est ici, au Fort Walcott. On va faire celle-là, on va faire celle-là, 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 et partir vers celle qui est la plus éloignée et la moins indiquée du ghetto. Bref, ça devrait bien se passer. Et du coup, il y a toutes ces missions-là aussi, qu'il faudra qu'on fasse au passage dans un autre épisode. Et ça, je crois que c'est les missions en lien avec Beedle. Donc, ça risque d'être rigolo. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah, moi, j'aime bien. Bienvenue au Kazma qui nous rejoint, messieurs, d'avancez-vous confortablement. L'émission du Captain Kidd, c'est parti. Mais du coup, ça va être des missions qu'on va jouer en navire ou qu'on va jouer à pattes? J'ai un doute. 10分後に砦を砲撃してくれ。混乱に乗じて脱出する。了解だ。無茶に聞こえるが、お前ならやっちまうんだろうな。ラッキーレムみたいな海賊を釈放したとは思えねえから。奴の髪切れはきっとあそこにあるはずさ。On est bien. On est sacrément bien en japonais, hein. Ah mon dieu, ah c'est pas mal, hein. Ah, par contre, on me dit dans le chat qu'effectivement, ce seront des missions qui vont se jouer à pattes. Mais vu qu'elles étaient sur la carte maritime, je pensais qu'on les jouerait à coup de bataille navale. Bon bah écoutez, c'est pas grave, hein. Ça va commencer à partir de l'épisode prochain du coup, hein. En espérant que l'argent grimpe, hein, et que je perde pas tous mes convois, parce qu'au bout d'un moment, ça va être terrible. Dites-vous quand même que, en gros, d'un côté, t'as les business à faire avec les convois pour gagner des sous, et genre, j'ai 10% de chance de perdre mes revenus, ok? Sauf qu'à l'inverse... Des fois, je lance des missions d'assassin où j'ai genre 30% de réussite et ça fonctionne, tu vois. C'est n'importe quoi. Je crois que c'est le meilleur épisode pour les voix jap. Je suis en train de me dire. Et en plus, dans le chat, ça parlait de Ghost of Tsushima. Waouh! Est-ce qu'on n'est pas masterclass? En fait, j'ai bien fait. J'ai trop bien fait de mettre cette tenue. Ah, attendez. Mieux! Ça dégage. Réussissez des assassinats de corniche. On y va! On va faire des assassinats de corniche. Du coup, on est en 73, soit 7 ans plus tôt. Effectivement. Attendez, il y a des coffres. Il y a des coffres. Il y a des putains de coffres. Attendez, 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 attendez. On masterclass, on masterclass, on masterclass.
Oh là 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 là. Ils vont me régaler, hein. Dis donc, avec tout ça. Alors juste mon con, est-ce que tu viens me voir, toi? Tu viendras pas me voir, hein. On est d'accord que le concept de voir des soldats anglais par les japonais, c'est quand même incroyable. Ça va, vous? Bah écoute, ça va très très bien, hein. On engage des missions du Captain Kidd dans une langue... Ce... qu'on aime beaucoup. Oh là là. Alors attends. C'est l'heure du beau jeu. C'est l'heure du beau jeu. Oi, oi, oi. Rien du tout. Il me cherche. Il me cherche. Il me cherche. T'es où, Kevin? Viens me voir. Viens me voir. Je suis l'ombre de la nuit. Vas-y, vas-y. Agresse l'ombre de la nuit. On n'a jamais vu personne agresser l'ombre de la nuit. Regarde, il me cherche. Regarde, il mongolise. Ça! Attends! Ça a pas marché! Oh, c'est dégoûté! Mais le pouvoir du shonen! Ça aurait dû fonctionner! Oh, j'ai le mort! Mais c'est sa faute aussi, il a mongolisé! La gueule! Ok. Ah merde, par contre, ça va pas du tout sauvegarder. Ok. Mes armes. Eh, toi là! Nya! On est bon. Alors je vais pas vous mentir, je vois que dalle. On commence avec un fail. Non! C'est de l'apprentissage. C'est, vous savez, c'est comme cette fameuse scène où à chaque fois le héros, il prévisualise. Bah ça a été exactement la même chose. J'ai prévisualisé. Et bah écoutez, malheureusement, on a mal prévisualisé. Alors, juste, j'ai besoin de moulins. Hein. Donc les coffres, on va essayer de les jouer un petit peu. Comment je viens de chercher, toi? Attends. Comment je viens de chercher? T'es là-haut? Comment je vais là-haut? Ah, peut-être en repartant depuis le début. Oh, oui, oui, oui. Peut-être ça peut marcher. Bonjour Altaïr, bienvenue. Comment on va depuis le temps, le Marseille démoniaque? Bien, bien. On ne voit plus beaucoup ces derniers temps. Hein. Ok. Allez, les gars. De belles sommes. On veut de belles sommes. C'est quoi? C'est un coffre, ça? 1250 livres! Mais oui, mais tellement! Mais bien sûr que je le joue! J'ai vraiment l'impression d'être dans Black Butler, en fait. Aïe, aïe! C'est vraiment l'Angleterre! Vu par les Japonais. Eh, ta race un peu, en fait! Mais c'est le jeu, il m'a mis en plein dans les problèmes, j'ai même pas eu le temps de réagir. Je voulais me cacher derrière un muret. C'est la faute du muret, il a bougé, il s'est déplacé, c'est pas ma faute à moi. Va falloir arrêter de dire ça, c'est pas bien sinon. On va me traiter de menteur alors que non. Voilà, je te mange, tu disparais. Tu peux m'appeler Sébastien. On a récupéré des sous, monsieur dame. Va falloir qu'on aille récupérer quelques pots par la suite. Et qu'on aille commercer un petit peu. Fais pas n'importe quoi, Michel. Ta gueule. Ok. Hugh. Hugh. Par là. Oh, stylé. Il reste que lui. Attends, parce que s'il reste que lui, il y a peut-être moyen de le manger, en fait. À moins que... que par là ça passe. Ok. Même l'indicateur jaune de désynchro. Non mais je vous jure, j'ai vraiment pas de bol. J'ai vraiment vraiment pas de bol. Le jeu a décidé de me chier dessus. Vous me dites hein, si vous entendez bien hein. Je veux vraiment que vous profitiez pour le coup. Un épisode full RP hein. Vous aurez pas meilleur héros de shonen. Alors attends, par contre le bail c'est que là, comment tu veux que j'aille là-bas en fait? Et comment tu veux que j'aille là-bas? Je vois rien. Ah, je suis en train de me dark Sasukeiser, je vois rien. Naruto! Je vois rien. Ah, j'ai trouvé un truc. SOS, quasiment en détresse. C'est bon? Ok. Bah ça m'aide pas beaucoup cette histoire. Hein. Objectif visualisé. Comment... Ah mais je suis con, attends.
Oh. Oh oui, pardon, excusez-moi. Tu as joué à combien de Assassin's Creed? Beaucoup. Beaucoup, 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 mais surtout, surtout les premières générations en fait. Attendez. Oh, vraiment que dalle, hein, par contre, ça c'est un vrai problème. Ça c'est à moi. Voilà. Ouais. Matomo janai. Y'a que toi? Attends, parce que s'il y a que toi, mon con, je vais te fumer but, moi, tu vas voir. Voilà! Il manque juste des super capacités. Oui, j'ai vu, hein, je vais fouiller des cadavres. Mais quand je peux pas, je peux pas. Ça dégage. Ok. Viens Michel. Par contre, pourquoi j'en suis qu'à 1 sur 3 des assassinats sur Corniche? Mais d'accord que techniquement, là, c'était mon deuxième, hein. Allez, nique ta mère. Bonjour, je souhaiterais un coffre. Que je peux pas récupérer. Bah nique-toi. Alors attends. 10 livres. Flemme un peu, non? Enfin, ça vous dirait pas, on zappe un peu les gueux et on s'intéresse vraiment juste au coffre? Parce que 10 livres, plus 10 livres, plus 10 livres, plus 10 livres, ça fait toujours 50 livres. Hein. C'est pas assez, hein. On est très loin du compte. Hein. Hmm. Le coffre il est en bas. Messieurs bonjour. Scusi, scuso, scusas. Voilà. Je me suis perdu. Alors. Aha. Putain mais ça donne des vrais sous. 8596. Mais pardon. Elles sont très très bien ces missions. Elles sont très très bien. Incroyable en japonais. Non mieux que ça. Mieux que ça. Hmm. Formidable. Oh, formidable! Bon bah du coup, objectif fail, hein. Avec les sous-titres, Michel, avec les sous-titres! Dommage qu'il n'y ait pas les multiplicateurs. Ah, j'avoue! Parce que c'est vrai qu'hier, on s'est fait une bonne session de Lego. Et on se disait qu'avec les multiplicateurs, ça ferait la diff. Ah, il est vrai! Il est vrai. Désolé, hein, je suis pas encore dedans. Ça fait un moment que j'avais pas joué. Voilà, on est bon. Allez, on s'arrache! Monsieur Turner qui essaye de m'aider. On se bouge! 3 minutes! Non, c'est bon, ça le fait. Ça le fait. Allez, on bouge! Putain, on voit que dalle par contre! Wow, les gars! Ok. Non. Oh, les cons. Allez, Captain, tu te bouges ta race! Faites pas attention à eux! Faites pas attention! Alors, j'ai dit, je fais pas attention à vous. Donc, faites pas attention à moi! Mais bande de connes. Vous savez quoi contre moi? Pourquoi je suis un fragile comme ça? À quand les Jojo Pose de Connor ça va? On ne sait pas. Non, par contre, pourquoi je suis vraiment un fragile comme ça? Je prends 3 coups et j'en meurs! C'est parce que je suis revenu 7 ans en arrière? Eh, c'est terrible! Attendez, faux départ! Ça fait 10 minutes on joue, 10 minutes de catastrophe! Oh! À un moment, le jeu! Soit fair play! Me chie pas dessus! Tu vois que j'avance en reculant! Ah! Donne-moi des bonnes chaussures! Mais c'est pas... Eh, la tête de Wham, lâchez-moi. Non, par contre, j'ai l'impression qu'il y a des cons qui marchent pas bien.
Oh, peut-être que c'est le moment où... vu que c'est censé être la première mission des 5 missions du Captain Kidd, peut-être qu'à ce moment-là, j'étais toujours en formation. Et que j'avais pas encore toutes mes capes. Ah, c'est possible. Non, nique ta mère, tue-le en fait. Tue-le, tue-le. Tue-le! Oh, niquez-vous. Eh, niquez... Non, si je meurs une deuxième fois, je pète un plomb. Allez! Putain, il veut pas. Dague à corde? La dague à corde, elle veut pas sortir. Pourquoi elle veut pas sortir, la dague à corde? Mec! Mais sors là, ta dague à corde! Eh, j'ai pas compris! Pourquoi la dague à corde, elle veut pas sortir? Oh là 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 là, y'a rien avec moi! Sérieux! Allez! Par où? Par où? Par où? Par là! Non mais d'accord, mais pardon, excusez-moi! Je me rappelais pas que je jouais un fragile! Putain mais c'est pas vrai! Eh, je tape la moindre petite braise et c'est game over! Allez! Allez! Dernière ligne droite! On se bouge, on se bouge, on se bouge! On se bouge! On se bouge! Yahoo! Victoire! Oh, quelle merde! Oh! Oh, ce niveau, il m'a détesté! Toriden no renchu wa ore o mitemo amari odoroite nakatta. Tsumari? Wakaru ka? Yappari rei no kamikire wa asoko ni atta tte koto ka? Sou iu koto da hoku. Il voulait le cul de boule à l'air, hein! Ah, c'est terrible! Bon, messieurs, dames, le Fort Walcott! Ah, c'était une catastrophe! Dissolution, qu'est-ce que c'est que ça? Explorer le Fort Walcott. Ah, d'accord. Oh bah, masterclass! Écoutez, écoutez. Si à partir de là, on a tout raté, peut-être qu'au bout du compte, on a tout gagné. Oh là 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 là! Mais c'était catastrophique! On est les meilleurs des pires! On n'a rien eu, une cata! Ça va pas s'arranger? Ah non mais là, là il va falloir faire un truc mon cher Connor, à un moment tu vas te dépatouiller un petit peu et on va faire les choses bien parce que c'était quoi ce niveau? Je suis mort 3 fois, à chaque fois ça s'est mal passé, j'ai pas pu gérer le moindre assassinat de type corniche, j'ai eu des sous, on peut se le dire, bravo à tous, c'est une victoire quelque part en un sens grâce à ça. On va racheter des pots d'ours, on va relancer le business, allez 6219, et normalement avec ça, ah non il me reste 6219, pardon. Et normalement avec ça je devrais pouvoir... attends, non. Juste avant ce qu'on va faire... Parce que je pouvais créer un convoi naval. Voilà. Sauf qu'il me fallait 25 livres et la vérité j'avais pas les 25 livres. Donc je voudrais savoir si le convoi naval ne rapporte pas plus. En fait je pense pas que ça rapporte plus. Je pense juste qu'il peut plus en emmener. Hein. Ça rapporte carrément pas plus du tout. Carrément pas plus du tout. Parce qu'à mon avis, il manque des chauffeurs. Et j'ai pas le chauffeur adéquat. Ah, chiant. Très chiant. Alors, on va envoyer ça. On va envoyer ce gars-là. Parfait. 2520. On est nice. Ensuite, on va s'en faire un deuxième. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà. Parfait. Et normalement, là, j'ai une visite à 5000. Est-ce que je peux me refaire un convoi classique? Ressources manquantes, attends. Non, c'est ça, c'est ça. Ok, et pour celui-là, il me manque des bois de pin et de l'allumage. Deux secondes, je fais mon business en parallèle de tout ça. Bois de pin. Ok, on va s'en prendre 3, voilà. Et il me fallait, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, de l'allumage? De l'allumage, parfait. Je sais pas, il m'en faut combien, hein, donc je prends autant que je pourrais en avoir besoin. Tac, 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 tac. Amélioration, parfait. Et du coup, ça fait quoi? Ça transporte plus? Je peux améliorer à l'infini, j'ai l'impression. Augmenter la capacité des convois terrestres. Ah, c'est la capacité! Ah, mince! Ah bah, je me sens con, en fait. Attends. Oh, j'aurais pu en envoyer tellement plus. Bon. 3360? D'accord, je comprends le business plan. Donc attends, techniquement...
Ah ouais, techniquement, j'ai un bon 8000, 9000 qui va tomber là. On est pas mal. YouTube, rejoins-nous si tu loupes trop de choses. Ouais, je te jure. Par contre, Sean, il y a aussi la blinde de coffre et de collectables dans les DLC de Washington. Mais le problème des DLC de Washington, c'est que la monnaie n'est pas la même. C'est pas la même. Je veux dire, l'aventure de la tyrannie, c'est une aventure indépendante de celle-là. C'est pas les mêmes. Genre, tu peux pas mettre en commun les sous, les améliorations, tout. Tout ça, c'est pas la même chose. S'il y a moyen de tout gérer via le petit carnet en bas, on va faire ça. Parce que si on doit revenir à chaque fois au domaine, par contre, ça va être un petit peu chiant. Allez, cannabis. Bon, messieurs, dames, une première mission qui s'est très mal passée. Hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça serait fait, en vrai, d'avoir la tenue d'Etam et de la mettre devant son père. J'avoue, il y aurait un truc. Mais juste dans le contexte de pouvoir porter la tenue d'Etam, parce que tu utilises le personnage quand même pendant un bon 3 heures en ligne droite. Ça aurait pu être chouette, je suis un peu d'accord. Ne serait-ce que par... pas forcément par nostalgie, mais pour le plaisir de l'avoir en fait. Surtout qu'il a une petite cape brodée et tout. Ouais, non, je suis d'accord. Un petit flow à la Etam, on aurait apprécié. Hein. Parce que là, on a la tenue de Papy. Hein. Et Papy, on l'apprécie. Papy, on l'aime beaucoup même. Mais c'est pas la version avec la cape. Et juste pour ça, tu vois, moi, ça me rend triste. Donc on a encore 6019, messieurs, dames. Et en fait, on devrait réussir à avoir un petit peu de sous, bien plus que ce que je pensais. Alors, où va-t-on? Je vous propose le trésor de Dead Chest. Voilà. Normalement, ça devrait bien se passer. Par contre, si on retombe sur des coffres comme pour la première zone avec le fort Wall Coast, on va se mettre bien, on va se mettre très très bien. Machigai yo ga ne. Abel Owens no fune mo doko ka ni aru. Soitsu o mitsukereba yatsu no katami mo mitsukaru darou sa. Hakaba ni dorobou ga tsukimon da. Yōjin shiro. Bon, on a chié à 100% le premier niveau, je vous propose de faire pire. Allons-y. Perso, j'aurais aimé plus de missions avec Desmond de type parcours. Je suis d'accord. Après, faut se dire aussi que c'était pas l'aventure principale hein, et que c'est pour ça qu'elle a été servie sur plusieurs jeux. Hein. C'était aussi l'idée d'avoir un truc de fond et de se dire que, aussi à l'époque moderne, ça faisait progresser le game. Oh, c'est marrant! Sur ce plan, j'ai vraiment l'impression de jouer à C4. Oh, c'est excellent! Alors que pas du tout. Hein. Je suis totalement dans la tromperie avec vos 3000 livres! Mais oui! Mais oui, mais tellement! Mais donne-moi! Je veux dessous! Je veux dessous, là! Comment je monte? Martine, fais tomber une corde! Comment je monte? Attends. Nya! Le jeu me donne les informations! Je n'ouvrais pas les yeux. Et merci beaucoup à Zombie! Ah merde! Ah, arrêtez avec vos blazes! J'en peux plus! Ah merde! Oh, c'est joli! Ah, c'est vrai que ça fait très très l'ambiance à C4. Hein. La tenue, les décors, la météo catastrophique, la qualité de jeu, les doublages. C'est du Edward, hein. C'est du Edward tout craché, hein. On reconnaît. Hein. La voix, le charisme, le flow, tout. Hein. Mais on le connaît, lui. On le connaît. Ça fait pas genre 40 fois je le poursuis dans le jeu. Genre, toutes les poursuites du jeu, c'est pas juste avec lui. Yamelo, Orega Misketa. Oh, Yamelo. Tu vas voir. Je vais te choper, mon con. Oh, je me rappelle de cette mission. Je me rappelle d'ailleurs que je l'avais chié, que je l'avais bien bien chié. Nique la mère. Voilà, accomplissez les assassinats en pleine course 1 sur 3. On va essayer, je garantis rien. Hein. Vous accrochez pas à l'idée qu'on va faire mieux. On fera pire que le premier épisode. Enfin, que la première mission. Allez, on se bouge, me tire pas dessus. Super, parfait. Restez à portée de votre cible à 40 mètres. Parfait. Encore mieux. Génial, le bouge. On est bien. Parfait. J'ai eu aucun des autres objectifs. Hein. J'ai perdu celui des 40 mètres. J'ai perdu la cible. Allons-y. Allez. On y croit. Reste focus, Kazma.
Ah, le jeu, tu m'aides pas beaucoup, hein. Allez, Edo. Allons-y, Alonso. Ok, allez, le deuxième. J'ai pas compris comment je l'ai loupé, le deuxième. J'ai pas compris. Le mec, il est en plein milieu, comment? Voilà, et de deux. Allez, on essaie de faire aussi bien que le troisième. Là, je décélère pas. On est toujours en troisième depuis tout à l'heure. Je vois même pas comment je peux. Ah! Allez, moins vite que ça. Ok, ok. Allez, les enfants. Mais, hein? J'en ai même pas niqué un seul. Est-ce que j'ai le mort? Oui, totalement. C'est pas grave. Ah bah si, c'est grave. Ah bah j'ai même pas eu les 40 mètres. Eh les gars, mais avance! Mais tu me fais quoi? Purée, mais pourquoi en plein milieu j'ai toujours envie de copuler avec un poteau? Mais c'est pas possible! S'appeler Connor, c'est être en chien avec la nature! Viens là! Allez, chope-le! Tu es la cible avant qu'elle atteigne la grotte. Mais sérieusement, mais... Eh, j'avais dit qu'on ferait pire que la première zone. Ouah, c'est une catastrophe. Je pensais pas faire pire. Si, comme quoi, hein. Comme quoi. Mais, fous-moi la paix, en fait. Arrête de me tarter ou je te tarte. Voilà, merci. Merci. Excusez-moi, j'ai pas vu beaucoup de coffres sur la route. Y'en aurait pas d'autres, par hasard? Parce que 3000, c'était cool une fois. Mais si c'est que une fois, c'est pas ouf, en fait. Le jeu aime me chier dessus, hein. C'est quand même terrible. C'est quand même fort terrible, hein. Bon bah 3000 livres, on est bien. Par contre, la mission était tellement courte qu'on n'a même pas eu le temps de terminer ne serait-ce qu'un seul convoi terrestre. Ce qui est un problème, parce qu'il me faut des sous. Il me faut beaucoup de sous. Et normalement, en plus, avec ce qui devrait arriver, on devrait être capable d'acheter l'une des améliorations à venir. Aïe. Donc on est capable de faire pire. Ça me rassure pas des masses. Allez, on poursuit. Au pire, si on termine pas les améliorations lors des missions de jambes de bois, on le fera avec toutes les missions un petit peu perdues ici et là, hein. Qui sont nombreuses d'ailleurs, hein. Oh là là là, ça va prendre du temps tout ça. Le château du médecin fou, messieurs dames. Allons-y, troisième mission. Et le chat se fout de moi. Je vous déteste. Le repère de Bob Marley. Joseph Farmer a Jamaïque de Yosef, ce gosta. Conosciro no Chicacta. Mais à ce moment-là, Louis Hutchinson no Chisez Hakbutskani Arto, Hawkna wa Itetaka. Mais c'est très stylé, hein. Il y a une vraie vibe de ce qu'on fera avec AC4 plus tard dans la licence, hein. Ah, c'est excellent. Hein. Par contre, plus que ça, le château me fait surtout penser à celui du 3 de Uncharted. Hein. Celui qui a cramé notamment. Alors attends, par où c'est que je passe? Parce que là je peux pas monter, on est d'accord. La lumière censée t'indiquer normalement où aller. C'était bien par là, ok. Ouais. Alors moi je veux bien. Par contre on parle de lumière mais on parle pas assez de ténèbres, hein. On voit que dalle dans le jeu. D'accord. Ok, et quelque chose me dit que j'aurais pu y aller aussi de l'autre côté. On est bon. Attendez. Des coffres, en veux-tu, en voilà, il y en a partout. Merde, attends, il était en dessous. Attends, il est où le coffre? Merde, il était au-dessus. Donc ça veut dire que j'ai pas accès tout de suite. Oh, donne-moi le coffre. Quand on sort d'ici, normalement, j'ai la somme pour acheter l'une des toutes dernières upgrades. Vous savez quoi, si on a assez pour la plus grosse, on prend la plus grosse. Comme ça, on se mettra bien pour la suite, hein. Il me semble que j'ai déjà acheté l'amélioration qui coûtait le plus cher pour la killa.
Mais du coup... Du coup, tout coûte cher pour la Kida, de toute façon. Je sais pas pourquoi on se pose la question, en vrai. 750. Bah, nique-toi, en fait. T'as décidé de pas m'aimer, j'ai décidé de pas t'aimer non plus. Hein. En parlant d'Uncharted, est-ce que t'as vu le fan-film avec Nathan Fillion? Le fan-film avec Nathan Fillion? Non, j'ai pas non plus vu celui au cinéma. Je voulais, et finalement, j'ai pas trop eu l'occasion. Donc, je sais toujours pas ce qu'il vaut, si jamais certains l'ont vu. Hein. Il est où le coffre? Le coffre? Allô, le coffre? Tu t'es caché? Tu es là, le coffre? Comment vas-tu? Tu m'attendais, n'est-ce pas? 1500! Ok. Les indices, El Famoso. Mec, il avait son musée personnel perdu en plein milieu de la Jamaïque, quand même. Hein. Sa voix est tellement charismatique. On est d'accord. On est d'accord. J'aime trop. J'aime trop. Autant je trouve qu'elle ne lui va pas, autant je trouve que la voix en elle-même est incroyable. Et du coup, inspecteur, on en déduit quoi? Inspecteur, le micro est à vous. Qu'avez-vous découvert? Il a trouvé la map. Il a entendu un drôle de bruit. A fui. Ah, s'est fait tirer dessus. A brisé un vase. Lui ou la balle. D'accord, le tireur devait se tenir sur le balcon. Atteignez la position de l'agresseur dans le temps imparti. Oui? Non? Comment? Hein? Pardon? Quoi? Attends, comment j'y vais? Comment j'y vais? Une minute pour atteindre sa position, ouais? Avec des informations aussi, ce serait gentil. Comment je grimpe? La vérité, comment je grimpe? Attends. Monsieur l'ours! Ok. Ça marche vraiment par là? Putain, oui. Oh putain, oui. Putain, oui, ça marche! Attendez. Allez, on se grouille. On se grouille. Mercredi. Ok. Je sais pas ce que je fais. Ça me paraît bien. Let's go! Oh, yes. Ok, bien joué. Mécanisme découvert derrière le masque. D'accord. Et donc le mec il se cachait chez lui. Le fan film sur Uncharted est incroyable, mais le film classique je sais pas. Bah j'ai entendu qu'il était pas forcément mauvais, pas forcément incroyable. En fait je pense que quand tu l'as vu, bah t'es content de l'avoir vu, tu vois, pour l'expérience. Mais pour le reste, bon malheureusement, ça réinvente un petit peu l'histoire, forcément. Les acteurs étaient pas trop mal choisis, je trouve, même si j'aurais peut-être apprécié un Sully plus vieillissant. Mais je crois que ça aborde une quête qui existe déjà dans les premiers jeux. Je parle vraiment de la première trilogie, donc je sais pas. Moi, je sais déjà qu'en VF, la voix de Sully, c'était la voix de Nate, donc rien que ça, j'avais déjà un peu de mal. Donc forcément, ça aide pas à l'immersion. Maintenant, en VO, je sais pas. Attendez. Est-ce qu'on voit le coffre? Genre... Quand on se met... Attends. Là! Quand on se met sur le loup, on est à la hauteur du coffre. C'est quoi ce délire? Le coffre, il est au-dessus? Ah putain, le coffre, il est au-dessus. Comment on va au-dessus? Attends. Sois pas pressé comme ça. Comment on va là-haut? Attends. Un coffre aussi dur à récupérer. Soit c'est de la baise. Soit ça vaut super cher. Mec, il est super haut. Il est super inaccessible. C'est obligé, il vaut une fortune. Deux secondes. On va trouver un moyen de récup. Il me faut ses sous. Alors attends, d'ici. On refait ça. Ouais.
Vas-y Michel. Comment je suis grimpé tout à l'heure? Ah oui d'accord, ok. Ici il y a plus de cerclage. Ouais. Comment tu grimpes? Parce que en vrai là-bas. Putain mais regardez, il est là. Là on voit une poutre. On dirait que je peux y grimper, mais je vois. Je crois que je me suis emmerdé pour pas grand chose. 3360. Ça avance hein. Ça avance. Attends, je crois que c'est plus bête que ça. Je crois que c'est genre. Merde, mais comment je vais le chercher? Je m'en fous, je pars pas tant que j'ai pas le coffre. Premier objectif secondaire, réussite de l'épisode. C'était quoi? Ah, la position du terrain. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. J'ai eu l'âme d'Esventura qui m'a possédé, ça a été très vite. T'as la somme pour une amélioration. Ah oui, effectivement. Et même pour la plus chère d'ailleurs. 17 000 et 16 000 je crois. Non, 19 000 et 16 000. Oui, largement, largement. J'aurais dû monter la barre avec le bout de tissu. La barre avec le bout de tissu. Là-bas, là? La barre un peu dorée? Avec le drapeau? On peut pas la monter, je crois. Je crois que c'est les barres, tu sais, où tu peux que te balancer. Il me semble, hein. Vous pensez, je peux? Kazma, t'as des clips en plus? Yes, merci. Moi, pour moi, je peux pas d'ici, hein. En fait, je vois même pas comment faire. On voit la poutre, là. Elle est même... Putain, il nous la symbolise vachement quand même avec la lumière et tout. Ah c'est ça, hein, 19 000 et 17 000. Ouais, donc je pourrais largement acheter une upgrade. Ok. Mais comment je vais te chercher? C'est mort, je veux mes sous en fait. Je suis trop pauvre, je veux mes sous. Comment je vais chercher mes sous? J'aurai mes sous. Je veux mes sous, j'aurai mes sous. Celui-là, il vaut au moins 3000. C'est sûr. C'est sûr. Par contre, s'il me sortait un vieux 750, je pète un plomb. Parce que là, si je prends la porte, genre, je reviens pas forcément, tu vois. Peut-être même que ça va être condamné derrière moi. En mode, ça va s'écrouler. Enfin, toi-même, tu sais, quoi. Comment je vais te chercher, toi? Ou alors je suis dos au problème. Et en vrai là où j'ai trouvé l'armurerie avec les baïonnettes, peut-être qu'il y a un accès. Non mais non, c'est pas ça. Il y a une poutre, Kazma, il y a une poutre. Comment tu l'atteins cette poutre? Comment tu l'atteins cette poutre? Ah c'est une belle poutre hein, il n'y a pas de problème mais non d'une belle poutre. Je comprends pas. Attends. Peut-être vraiment loupé un truc hein? Non? Ah mais attends, mais c'est pas du tout. Je pensais que c'était une porte. Mais c'est pas une porte! Ah si, c'est une porte. Ah si, si, c'est une porte. Ok, d'accord. Ok. Alors attends, s'il faut, peut-être que maintenant je peux grimper. Oh les cons, maintenant je peux grimper. Hé hey! Remonte. Je t'ai pas dit de descendre. Mais non! Non, tu déconnes. Non, tu déconnes! Ah! Pardon, j'ai eu combien? 2500? Ok. Ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Chercher pendant une plombe et se rendre compte qu'en fait, fallait juste avancer naturellement pour avoir la réponse. Ça me donne envie de chevaucher les orques, cette histoire. Ok. Les ténèbres m'envahissent. Les ténèbres m'envahissent. Je vois pas. Le projet. Ah, pardon. Par là. Ok. Ok.
lâcher. Quand même mieux quand tu vois des choses. Porte verrouillée. Ah là. Vas-y. Super. Ok, on a trouvé la piste du tireur. Mais du coup, retour au tout début, mais ça m'a pas aidé. Comment j'accède au coffre? Ma scusi, scuso, je veux le coffre. Le coffre, le coffre, le coffre. Attends, tu vas me dire qu'il était caché dans les combles. Allez, grimpe. Le jeu, pourquoi t'es aussi peu avec moi aujourd'hui? Pourquoi t'as décidé d'être méchant avec papa comme ça? C'est pas cool, hein. Vraiment pas, hein. Empreinte de main ensanglantée découverte dans l'horloge. Un passage secret. Alors, est-ce que c'est à moi de résoudre le problème? Oui, visiblement. Alors, voyons voir. Nouvelle tâche de sang découvert. Quelque chose a été traîné. Ah! C'est quoi? Mousquet manquant trouvé. D'accord. Donc, El Famoso Mousquet. Au fait, Kazma, tu cherches le trésor de William Kidd et celui que tu vois dans Black Flag, c'est son fils. Ah, d'accord. Ça explique des choses. Ça explique des choses. Ok. Bien. Pourquoi t'es la seule qui est pas à l'heure, toi? T'es bon? Attends. Pardon. Tada! Incroyable. Bien. Mon coffre. J'ai pas eu mon coffre. Pourquoi j'ai pas eu mon coffre? Attends. Un coffre, c'est un coffre. Bonne chance, faut mettre une heure précise. Bon. Je vais pas trouver ça très compliqué, hein, je vais pas vous mentir. Ok. Mais du coup, je vais me vénère. Je veux mon coffre. Hey, le coffre. Attends. Parce que si j'ai bien compris, en gros, il fallait l'avoir depuis la toiture. Point faible, trop fort. Ah, y a de ça, hein. Y a de ça. Hein. En même temps, ça aide de se taper des orgues. Alors, remonter. Par là. C'est le donjon qu'on aura le mieux exploré, je pense. Hein. Et qu'on aura le moins fail. Hein. C'est donc une défaite totale. Une défaite d'un Kazma. Qui normalement fait les choses bien. Et là, pour vous, malheureusement, il se sera pas assez donné pour fail. Une situation malheureusement couronnée de défaite. Pourquoi la porte s'est fermée? Mais je suis tristesse en fait. Va falloir arrêter de me chier dessus comme ça un moment. Comment j'en monte? Ah, c'est intéressant ça. Tiens. Est-ce que quelqu'un un jour a pensé à faire demi-tour dans cette partie du donjon? Comment je reviens? À l'aide. À l'aide de... Comment je sors?
Allez deux. Au secours eux. Je ne sais pas comment sortir eux. C'est un vrai problème eux. Oui. Tout à fait. Bah je crois que je suis Keblo. Non vraiment en plus. Merde. Peut-être que quand tu mets la vision neck, tu verras mieux. Oui. C'est pire. Non mais... Tu sors par la sortie obvious. Mais même la sortie obvious, je peux pas remonter. J'arrivais pas à remonter. À l'aide. Au secours. Est-ce que je joue assez bien la misère? Au secours. Parce que là, du coup, ça veut pas. Attends. Descends, arrête de faire chier. Merci. Pousse. Il veut pas. Bon. Mais du coup, bah, je peux pas revenir en arrière par l'entrée. Non mais attends, parce que là... Oui, tout à fait. Bon. Est-ce qu'on peut revenir à un checkpoint? Oui, on peut revenir à un checkpoint. Je demande l'appel à un ami. Où en est-on? Très bien. On est au bon endroit. Et pour lui, je me suis totalement fait chier dessus. Et c'est ça. C'est par lui... Et pas un autre. Genre, je peux pas aller le chercher. Terrible, ça. Là, il y a un coffre. Jamais tu l'obtiens. Mais comment on pouvait le récupérer, à la base? Étrange. Bon, bah, je sais pas. Bon. J'estime qu'on a bien traîné. Allons-y. AC3 vient d'être bloqué par AC3. C'est un peu ça, hein. Ah. Ok. Il est bien, ce niveau. Il est très très bien, ce niveau. Ok. Donc le tueur s'est débarrassé du corps. Et ensuite... Parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que... Nien. Il avait gardé sur lui la carte. Le pire aurait été que le tueur récupère la carte. Et là, c'était foutu. Là, c'était foutu. Peut-être qu'il l'avait mangé. Surtout, l'ambiance du niveau est très très cool. Ah non, mais le niveau, j'ai bien aimé. Non, franchement, bien. Et je dis pas ça parce que je l'ai 100% raté. Hein. Non, juste parce que vraiment, le niveau était bien. Ça, ouais, ça rythmait un peu les choses différemment. En fait, du coup, les donjons, c'est ça. Les jambes de bois, c'est les fameux donjons d'AC2. Sauf que bah, le premier fort était cool, mais il m'a chié dessus dans tous les sens du terme. Et le deuxième, ouais, bien. Bien. Bon, bah, parfait. Alors, on va acheter la mitraillette. Non, le boulet rouge. Eh, on est pas mal. Bon, il nous reste 3000. 3000 de fond. Ça pourrait être correct. Certains diront, pour moi c'est peu, pour moi c'est rien même. On en a 50 minutes, pas mal. Est-ce que t'as hâte de recommencer Rogue? Oui. J'ai hâte surtout de repasser en mode exploration maritime. Genre j'ai trop hâte. C'est vraiment ce que j'ai préféré le plus dans la saga. C'était beaucoup trop bien. Maintenant que j'ai compris comment faire du flouze, donne des pots. Ok. Allez, commerce. On va en envoyer 5. On n'a pas le temps ici. 6? Je peux en envoyer 6? Sérieusement? Oh putain, oui, 6! Bon, encore mieux. Ok, et on va en envoyer... Bah, 4. J'ai pas le choix, en fait. Non, je veux pas lui! Attends. Vider. Je veux un autre vendeur. Quelqu'un de qualité. Quelqu'un de type... Merde, attends. B... La navigation dans les menus de commerce, pas ouf. 3360 et 5040.
Waouh! Non mais en termes de bénéfices, on est à balle là en fait. On est à balle. Je peux pas en racheter? Je peux pas en racheter. Si, je pourrais en racheter un petit peu en vrai. Attends. Oh, voilà, donne les fourrures de castor. Et on va se faire un petit commerce. Voilà. Pour Thierry qui est resté au fond et qui a pas son petit chariot à ramener lui aussi en ville. Eh, ça fait quand même 2240 livres les gars. Ça pourrait être du temps perdu, mais c'est du temps qui est optimisé pour aller vendre des choses. Mais qui l'eût cru? C'était tellement con de vendre des choses en fait. Le système de commerce de la C3 réfléchi mais mal amené en fait. Il y a beaucoup de possibilités, c'est assez RP. Quand tu l'as cerné, ça va, ça marche en fait. Mais le problème c'est que juste le temps de compréhension était infinisant. Je veux dire, on a la fin de l'aventure et c'est que maintenant que je cerne le système de commerce. Est-ce que ça prouve pas le problème du bail? Et me dites pas c'est moi, hein. Je sais que vous êtes beaucoup chez vous à vous dire que ce système est bordélique. En fait, les missions finales du domaine se débloquent en plein dans la séquence 11, il me semble. Mais celles-ci s'enchaînent avec la fin du jeu, donc t'es obligé de les faire après la fin. Oui, bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix, donc on le fera. J'aurais vraiment aimé avoir le générique après, enfin vraiment le générique pour l'épisode final pour dire ok là c'est fini, on passe à la suite. Mais bon, après ça nique le côté RP, mais parce que quand tu sais comment tout ça se termine, en fait tu te dis revenir pour ensuite boucler les choses avec le domaine, c'est bizarre quand même, tu vois. Alors où en est-on? Il nous restait deux missions à accomplir, parfait, parfait. Quelqu'un peut me confirmer cette mission là? C'est la mission de Beedle qui va enchaîner sur une autre mission, puis sur une autre, puis sur une autre, puis sur une autre. Donc en fait, il n'y aura pas deux, mais au moins trois épisodes à base de missions navales. On est bien d'accord? Non, juste que je sois sûr. Ora, koko ni nogotte mihatteru to suru ze, senchou. Wakatta. Kono shima ni aru shinden. Sagashimono wa kitto soko da. Incroyable. Incroyable. Ces introductions à chaque fois. Pouah. Allons-y. On a 129 livres, messieurs, dames. Il nous reste une upgrade à faire. Ça m'intéresse presque plus que le reste. C'est terrible, hein. C'est terrible. Putain, mais ces missions qui ont tellement amené à ces 4. Ah, on y est. Ah, on est en plein dedans. Oui. Ah, d'accord. Alors. À la recherche d'un bout de papier. Surtout que les missions du domaine final au niveau du lore, elles se passent 2 ans avant la fin du jeu. Ah oui, donc ça casse tous les RP en fait. Ouais, bah écoutez, c'est comme ça, hein. Oh, excellent. On est vraiment dans la vibe d'AC4. Mais genre vraiment. AC4 qu'on ne fera pas. Arrêtez de me faire pleurer. Arrêtez de me faire pleurer. Je suis le plus triste ici. Je rappelle qu'AC4 est l'Assassin's Creed que j'ai le plus kiffé. Depuis le début de cette aventure. Et c'est celui que je voulais absolument refaire. Wouah, mais pardon. Et malheureusement, c'est celui que je vais devoir encore le plus attendre. Je suis maudit en fait, je le ferai jamais ce jeu. Oh, c'est stylé, c'est beaucoup trop stylé. Mais du coup, attends, on va pas à l'intérieur? Pourquoi j'ai chu? D'accord. J'avais pas pris la bonne route. Trouver un accès au temple. Ah bah, ok, oui, donc oui, bien sûr, on va à l'intérieur. Non, mais oh. Tout à fait. Et comme ça, anecdote, je sais plus si je vous l'avais dit, mais la dernière fois, je regardais un extrait de Pirates des Caraïbes en japonais et j'ai appris que le doubleur qui fait la voix de Jack Sparrow, donc de Johnny Depp, c'est le doubleur de Sanji dans One Piece. C'est incroyable quand tu fais le parallèle entre les deux. Déjà, ça lui va trop bien.
Et ensuite, juste, bah, c'est trop stylé, en fait. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pété la gueule. Et je suis de retour ici. Ok. À un moment, j'ai oublié de tourner quelque part. C'est rien, c'est la rue. Eh oui. C'est la rue. Traverse la route et puis, tu sais pas pourquoi tu chutes. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ça a pas voulu? D'accord, je suis juste une merde en fait. Une sombre merde. Très bien. Nya, par là. Allez, on y va, YouTube, on y va. Let's go. On pénètre. Oula, 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 oula. On va mourir. Ou pas. Parce qu'on a trop de talent. Ouch. La vérité, n'importe qui serait mort. Oh, cette vue. Oh, cette vue, mais pardon. Magnifique. Non, ok, ok. Hein. Je suis le premier à dire à la base que la version remaster d'AC3 et AC3 Libération est pas ouf. Mais non. Depuis que j'ai la manette en main, je me rends compte de ce que j'ai dit et c'était quelque chose de débile. Non, cette version est incroyable. Les jeux de lumière, tout est parfait. Tout est parfait. Je dis oui, je dis oui. Alors. Où va-t-on? On va là-haut. Mais la question, c'est comment va-t-on là-haut? Comment va-t-on là-haut? En passant par en bas? Non. En passant par... Attends. Passant par là. Là, tu veux grimper sur là? Ok, pas mal. Bien joué, Michel. Bien joué, Michel. Ok. On a la base. Oui. C'est ça. Par contre, c'est la tristesse en termes de coffre, l'endroit. Excusez-moi. Quelqu'un leur a dit que je manquais de sous ou pas? Après, tu me diras, c'est pas non plus un territoire très très anglais. Donc peut-être que ça explique pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas énormément de thunas? Mais quand même, justement, raison de plus pour trouver des choses qui se revendent. Après, j'avoue que moi, je fais un business de peau, donc c'est un autre problème, mais... Ok. Oh. Nya. Bonsoir. En face. Ok. Nya. Ça monte, hein. À notre rythme, mais ça monte. Au moins, ils ont mis un effort dans la remaster, on va éviter de parler d'un certain remaster d'une certaine trilogie de GTA. Lol. Bah, moi, j'ai bien apprécié. Franchement, bon après j'ai joué à San Andreas, le seul qui était dans le Game Pass, donc techniquement il était dans l'offre, donc j'ai pas eu véritablement à dépenser pour l'obtenir. Mais à raison de 20€ le remastered, je trouve que vous êtes quand même vachement médisant avec. Parce que franchement, pour une durée de jeu quand même assez conséquente, je trouve que tu as de quoi faire pour 20 balles. Honnêtement, pour une sortie Day One pour le remastered. Après oui, 60 balles pour les 3, mais... Hein? Pourquoi j'ai une épée? Quoi? Hein? Victoire? Attends, j'ai eu... Quoi? C'est l'épée du Shétan. Quoi? Quoi? Pourquoi j'ai une épée? Enfin, ça me va, mais... Oui, bonjour. Pourquoi j'ai une épée? Elle est où l'épée? C'est ça l'épée? C'est pas l'épée, ça. Elle est dégueulasse, cette épée. Attends. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il manque un morceau de papier. Il y a une autre mission qui est apparue? Cette mission, c'est pas une mission pour la carte, c'est une autre annexe. Et elle est liée ou pas au Captain Kidd? Parce que pourtant c'était le même symbole. Ah, c'est pas genre l'épée, un cadeau du jeu. Trop bien. Ah, mais c'est pour ça que ça avait pas de coffre, que ça avait rien à voir et que c'était court. Ah, c'était peut-être en mode, bah tu as la tenue, donc on t'offre l'épée qui va avec. Oh, incroyable. Je préfère Bozo Road ou AC3? AC3. Je préfère la saga américaine à la saga italienne. J'aime beaucoup la saga italienne par nostalgie, mais je préfère vraiment la saga américaine. Et ensuite je dirais AC4 à AC3. Et ensuite si vous me demandez AC4 ou AC Rogue,
Je ne saurais pas décider. Où est mon épée? Où est mon épée? Mon épée. Marteau, marteau. Pistolet. Bah il me manque une épée, hein. Et merci à... Merci à toi pour le follow. Excuse-moi, je sais pas comment prononcer ton blaze. C'est ça? Je crois que c'est ça. Le coutelas denté de Kid. Cette épée terrible aurait appartenu au capitaine Kid en personne. Les histoires sur le célèbre corsaire devenu pirate ont été racontées des deux côtés de l'Atlantique pendant des dizaines d'années. En même temps que les rumeurs sur les trésors qu'il aurait cachés avant de mourir. Incroyable! Alors attends, parce que du coup... Ah oui! On passe quand même d'un dégât de 2 à un dégât de 8. Peut-être, oui c'est possible, peut-être qu'on n'a jamais pris le temps d'acheter des bonnes armes. Peut-être que depuis le début du jeu, je me trimballe avec une épée de niveau 2, peut-être. Bon, maintenant vous n'êtes pas non plus obligé de le crier en haut des toits. Hein. Peut-être aussi que cette aventure n'est pas réalisée par le véritable Kazma. Et peut-être que depuis le début, je vous dupe et que j'ai un frère jumeau. Peut-être. Et vous n'êtes pas non plus obligé de le raconter en haut des toits. Bon. Victoire. Victoire, victoire, victoire. Sympa l'épée. Carrément. On aura l'épée qui va avec la tenue. Incroyable. Excellent. Génialissime. Monstrueux. Bah du coup, ce sera peut-être la tenue que je mettrai pour le grand final. Perso, j'aime pas du tout le côté naval d'AC3. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il a bien fallu commencer quelque part. À la base, c'était une extension de jeu, tu vois. C'était des trucs secondaires. Avec, bah, avec les donjons, du coup. Non, même pas les donjons, parce que les donjons, même pas, on a affaire à ça. Mais les quelques missions qu'on va voir venir, du coup, à partir de l'épisode prochain et les missions de Diddle, du coup. Et j'ai pas de sous. Donc, de toute façon, ça sert à rien. Voyons voir. Eh ben, let's go. Le vaisseau fantôme. Ah, ça, c'est peut-être une mission navale. Ça, c'est peut-être une mission navale. Le côté mission navale est mieux géré dans AC4. Mais oui, mais comme on a dit, il a bien fallu commencer quelque part. C'est normal. Faulkner の推測通りか。北西航路の実在を信じる者がいた理由までは分からないが。 Attends, mais c'est incroyable ce qui se passe. On n'est pas du tout sur une mission navale, du coup. Excellent. Wouah. Wouah. Fais péter la mission enneigée. Excellent. Oh là là. Cherchez l'Octavius. Insane. Kazma se plaint de ne pas faire de dégâts, mais ne fait rien pour. Ouais, mais normalement, il y a une autre technique qui fonctionne pour faire plus de dégâts. Faut taper plus fort. D'accord. Ok. C'est pas l'épée qui fait le sabreur. Enfin, le bretteur. C'est le bretteur qui fait la différence. Ok. D'accord. Non mais dis donc, arrêtez de me juger. Hein. On a toujours fait avec une petite épée de niveau 2. Alors imaginez les monstruosités qu'on va pouvoir faire maintenant. On va pouvoir le sortir le Haki des Rois. Hein. Vous allez voir. Tobias. Dis donc, parlez meilleur. Hendrik van der Hall, Ne tombez pas à l'eau. Athénée Octavius dans le temps imparti. Ah merde, pardon. On se dépêche. On se dépêche. Ah! Ne tombez pas à l'eau, c'est mal parti. Hein. Ah, il y a un coffre! Il y a un coffre. Ah! Ok. Faux départ, vous n'avez rien vu. Allez, 1750. L'homme qui choisissait l'argent aux objectifs secondaires. Allez, on se bouge. On se bouge. Par là. Nique ta mère. Alors là, je trouve que c'était petit. Non, vraiment, le jeu, c'était petit. Je suis pas tombé à l'eau. J'ai mis mon coussinet dans l'eau. Petit, très petit. Aïe. Nya. C'est bon, heureux. Bien, demi-tour. Et du coup, mais attends, parce que si tu veux ce coffre, t'es obligé d'aller à l'eau, là. Tiens. Mais si tu veux ce coffre, t'es obligé de tomber. Comment tu vas chercher ce coffre? Baby. Attention, ne restez pas dans l'eau glacée. Ah! En voilà une réflexion intelligente. Vite, on sort, je vais canner.
Mais du coup, je te récupère comment, toi? Ça recommence. Bonjour, bonjour, bienvenue. Attendez. De toute façon, le jeu a commencé à me chier dessus au début du jeu. Hein. Il me chiera dessus jusqu'à la fin. Hein. Cherchez pas. Hein. Je vais rester sa salope tout du long. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Ok. Je le récupère quand, mon coffre? Excusez-moi, je veux le coffre. N'oublie jamais, Buckysoft a toujours raison. Mais que dalle! Je veux bien croire en Bugtesda, mais Buckysoft, jamais! Ok. Bon, on va partir du principe que depuis le bateau, je devrais avoir le coffre. À quand un prochain stream sur Lego Star Wars? Mais pleurez pas! On y a joué hier et avant hier et encore avant hier et encore avant hier! Vous êtes des malades! Vous êtes des cinglés! Vous êtes légotomisés! Ah, pas du tout, vous, hein! 2500! En voilà un qu'on a bien fait d'aller chercher. Joue-y tous les jours! Jamais! Toute ta vie! Jamais! Jamais! Je sais pas quand sera la prochaine session. Je sais pas! Alors, Mia. Oh, 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 oh. Je viens d'être payé. Je viens d'être payé. Attendez, il me fallait combien pour la dernière upgrade? Merde, je crois que la dernière upgrade c'est 17 000. Il me manque 800 peine. Mais non! Mais c'est terrible! Hendrik Van der Hoor. Hendrik Van der Hoor. Oh, attends, il y a un coffre. Attends. Comment je sors? Là. Hendrik Van der Hoor. Deux secondes. Parce qu'on sait pas ce qui va se passer à partir du moment où je vais récupérer le papier. Oui! Victoire! Victoire! Oh là 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 là, j'ai même un peu de monnaie pour aller me chercher une glace après. Histoire de se réchauffer un peu. On est bon. Ah, insane. Insane. Oh là 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 là. Le papier. Le papier. Victoire totale. Taillot, comment ça se passe? Obtenez 4 fragments de 4, 4 sur 4. Parfait, bah victoire totale. Et du... Oh, oh. On va canner. On va tous canner. À l'aide. On va mourir. On se dépêche. Ce sera jamais pire que ce qu'ils ont fait avec Uncharted. On se bouge. Ah oh. Les portes de l'enfer s'ouvrent! Cours, connard! Cours! Bloup bloup, connard! Bloup bloup! Allez, bouge-toi! Ah! J'en ai quand même marre que je me chie dessus! Allez, on se bouge! 45 secondes, 46, 40, je sais pas combien. Ah, d'accord. J'ai trouvé sans trouver, je sais pas comment j'ai fait! Le jeu qui m'aidait trop. Allez, accélère. Demi-tour. Non! T'es un con! Tu le sais, ça? T'es un con, je vais mourir. Hop, hop. J'en ai marre de ma vie. Voilà, c'est gagné. Ma carcasse, elle remonte. Let's go. Ah. Le Jap colle tellement, on est d'accord. Le Jap est incroyable. Non, par contre, oui, les doublages japonais, insane. Grimpe ou fais semblant. Monte, fais un truc! Je vais le fumer. Mais grimpe! Il veut pas? Mais fais semblant! Mais pourquoi? Attendez, je me trompe? C'est pas par là? Si, c'est par là!
Mais tu me mets droit devant, c'est que c'est forcément pas... Je peux pas monter. Et l'eau me tue en littéralement 2 secondes. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? À un moment, on a mis la troisième, on accélère la difficulté? Oui, d'accord. Ça peut être que là, fais un putain d'effort. Mais, je vous promets, je peux pas monter. Ah, mais le jeu me chie dessus là. Bon, comment ça se passe? Comment je grimpe? Les gars, comment on grimpe? Mais comment on grimpe? Mais pas... Je sais pas. Et d'ici, tu peux pas remonter ou je sais pas quoi? Eh, c'est une blague. Non, c'est une blague. Yes, let's go. Ben oui, mais non, mais... À l'aide, je suis en train de mourir en boucle. Tu te fous de ma gueule! Tu te fous de ma gueule! C'était bien le bon endroit, c'est juste que l'action ne fonctionnait pas. Tu te fous de ma gueule! Oh, j'en ai marre de toi. Non! Ok, on y retourne. Niquez-vous! Qu'est-ce qui se passe? On est où? Et là, t'es en train de me dire que j'ai assez pour monter. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Une information, peut-être! Je suis dans de l'eau, comment tu veux pas canner 30 fois avant de capter? Non mais sérieux! Mais sérieux! Et là, il requiert bleu! Espèce de gogol! Mais c'est pas vrai! Eh, il me fatigue! Mais je suis détendu, hein! Ah non, je suis full détendu par contre. Je suis pas du tout énervé. En fait, si tu sautes trop bas, et tu peux pas le calculer vraiment, hein, il dit nique ta mère. Bon alors attends, parce que j'arrive quand même à mourir avec de l'eau 3 étages plus haut. Hein. Ok. Et ensuite. Oui, et ensuite. D'accord, c'est logique. Non, pas du tout. C'est logique, mais pas du tout. Mais grimpe! On est bon ou pas? Yes! First try! Awanai iwa to narabu basho ni. Mais tu m'étonnes que je voulais pas, même la mer elle était buggée en fond. M'en fous, j'ai réussi du premier coup. Ok. Je suis trop bon pour le jeu en fait, c'est une catastrophe hein. Sore wa nemuru, washi no nedoko no shita, okami no ibasho no chikaku. 炎に口付けされた木のそば、合わない岩と並ぶ場所に。あと、どこかの島の位置、印の意味は分からないな。これは奥島だ。何回も通りかかったことがある。何の特徴もねえ島だぜ。行くだけなら簡単みたいだな。了解。準備して待ってるから、出発したくなったらいつでも来てくれ。本当に何か分かったのか？ Bon, on a une destination. Messieurs, dames, allons-y, on enchaîne. Toujours dans la continuité des missions du Captain Kidd. Ah non, non, j'aurais dû en profiter pour faire l'amélioration. Ah, tant pis, c'est pas grave. Doki doki suru na. Kidd senchou no zaihou to sore ni matsuaru nazo ga matteru to omou to, chotto kowaku mo aru ga. Iza mitsukete mireba. つまらないものかもしれないぞ。それは俺も考えたが、ここまでして隠そうとしたんだから、そりゃないだろう。
書かれていた通りにしてみたら、こんな偏僻な島のど真ん中に来ちまった。一体何を隠したのやら。わからないが、俺も興味津々だ。覚えてるか？炎に口づけされた木のそば、狼の居場所の近く、わしの寝床の下、合わない岩と並ぶ場所、目印になる景色のことかな。多分な。Mais je me rappelle de cette mission. Enfin, c'est juste par contre que je pensais que c'était une mission d'AC4 pour le coup. Ah, attendez, résolvez l'énigme dans le temps imparti, 5 minutes. Bon, ok. Dans 5 minutes, je dois avoir tout trouvé, récupérer le trésor, être parti, avoir fait un clafoutis et avoir repassé ma chemise. On est bon. Analyser. Qu'est-ce que... D'accord. Faut aligner ensemble. Bon, ça c'est facile. D'accord. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Avec le japonais, j'ai l'impression que tu joues à Ghost of Tsushima. Bien sûr qu'on joue à Ghost of Tsushima. Mais c'est un mode d'AC4. Alors qu'on a Connor, c'est la subtilité. Mais cette mission est très 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 stylée par contre. Hein. Oh là là, mais quelle catastrophe. Par contre, on est d'accord qu'en termes de RP, c'était un petit peu niqué tout à l'heure. Hein. Enfin, il nous a dit de pas toucher l'eau glacée, mais en fait, il a nagé jusqu'à la côte. C'est un peu dégueulasse, c'est genre... toi, tu peux, pas nous, c'est ça? Genre... moi je suis naze. J'arrive pas à grimper. Grimpe. Merci. Ensuite, par là. Et par là. Alors, que voit-on? Nous voyons des choses extrêmement bien. Voilà. Allez, 2 sur 4. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est dans les temps. Sympa cette mission. Oui, oui, oui. Oui, 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 et oui. Ok. Et par là, il est où l'indice? Excusez-moi, je cherche l'indice. Qui était au-dessus, d'accord? Que je n'ai pas vu, comment ça se fait? Oui. Attends, hein? Attends, je suis aveugle? Ouais. Il faut de la hauteur. Attends, 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 attends. On va pas bégayer là-dessus. On va aller faire celui-là. Ah, mais non, mais... What? Attends, ça, c'est le point pour le truc, là. Ah, mais le point bleu, c'est lui. Pardon, je croyais que le point bleu, c'était l'objectif. Ah, je vous assure, j'essayais de... Attends. À mon avis, ça doit être... Voilà. En fait, le point bleu, c'est mon pote. C'est Volkner. Je pensais que c'était l'endroit où je devais me rendre pour faire une des indices. Alors pas du tout. Oh là là là, terrible. Terrible, terrible. Ok. Par où, Michel? Là-bas. Ah, je reconnais, ça c'est un pommier. Ah oui, majestueux. Ah oui, 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 bien sûr. Un pommier, un pommier. Alors attends. D'accord. Ah, les pommiers, on connaît, hein. On pénètre normalement... Ah, c'est normalement par la gauche. Là, ça a changé. Putain, c'est pas le même genre de pommier que je connais. Après, moi, j'avoue, moi, je viens des pays anglais. Là, on est plus sur quelque chose... on doit être sur un pommier turc. Ou espagnol. Mais c'est un pommier étranger, c'est sûr. Alors, attends. Comment t'alignes ça? Facile. Tu fais un bail comme as. Voilà. C'est aligné. Un aigle est apparu. Ils ont caché le X-Wing. Let's go. On a été bon. Alors voyons ça. Résolver l'énigme dans le temps imparti, qu'est-ce que... Pourquoi on se fait agresser? Bonjour messieurs les loups. Allez, et deux, un nique-toi. Allez, 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 allez. Et de 2. Nique-toi. Allez, 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 allez. Viens, 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 viens. Et nique-toi. Voilà. Rien de plus simple que les loups. Calme. J'arrive, hein, je prends 2 secondes. Même si techniquement j'ai plus besoin de sous pour ce que j'avais besoin. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, effectivement, c'était peut-être un pommier marseillais. Ah, c'est la subtilité, effectivement.
多分火薬を使えばどかせるだろう。ドカンとやるわけだな。なるほど、そりゃいい。狼どももきっと恐れをなして逃げ出すだろうしな。こんなもんだろ。Ah, on sent les racines Kenway qui ressortent, hein. Let's go! Tout faire péter! On aurait pu pas faire plus subtil. Ah ouais, ouais, non, en même temps, ça aurait pris du temps. Allons-y! Techniquement, je suis mort, hein. Je me suis tapé le crâne contre la première planche, je me suis empalé, c'est fini. C'est fini, fin du game. Explorer les cavernes de calcaire. Oh! Ah, attends. Oui. Oh là, oh c'est joli. Oh c'est joli. Par contre le calcaire va m'aider hein, parce que pour le coup d'habitude on voit rien du tout. Donc si là au moins ça peut me permettre de voir où je vais, c'est pas mal. C'est vraiment à se demander comment ils ont construit le système de base. Comment ils ont fait en sorte que les gens, enfin les gens, les assassins viennent naturellement ici et fassent ce qu'ils ont besoin de faire. Alors, Jéchu, ça se passe comment? Oui, bonjour Jéchu. Ah, d'accord. Ok. On n'a rien vu. Ah, d'accord. Ok. Faut suivre la lumière. Très bien. Excellent. C'est tellement stylé. J'aime bien. Les missions du Captain Kidd, elles sont vraiment chouettes. Ok. Il y a vraiment une vibe à Uncharted, je trouve. Hein. Dans l'exploration, ça se ressent de fou. Oh. Alors, c'était pas exactement ce que j'avais en tête. Qu'est-ce que c'est que cette merde? T'es pas venu chercher un costume à la base? Korega Kitto Senchou ni daremo te o dasenakatta hibitsu ka. Sugoi na. D'accord, mais attends, hein? J'ai récupéré un anneau? Attends, 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 c'est quoi ces conneries? On est venu chercher quoi en fait? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et les sous? Et tous les sous? Bon, j'ai assez de sous, mais et les sous? Ikitetake. Sasuga ni kutamatta ka to omotta ze. Kega wa? Ah. Nasa sou da. Sore de nani ka mitsuketa no ka? Kore dake? Hoka wa? Arasareta ato datta no ka? これは一体仕組みはわからないが、キッドがこいつを大切にしたのも当然だな。さ、デビレバル？あたあたあたあたあたあたあたあた。Ça a expulsé sa gourde, ça veut dire genre ça expulse le métal, donc ça expulse les balles. Oh, attends, ça évite de se prendre des balles par l'ennemi? Non. Attends, attends, si c'est ça, c'est stylé. Mec, c'est ça, c'est incroyable. この不思議な文化の起源は要するに第一文明にあったんだ。個人用バリアとして使ってたんだ。Ah oui, bah bien sûr, ça provient de la première civilisation. 金属が弾かれるのはこいつが発生させる強力な電磁場のせいさ。Ah c'est ça. キッドの不死身伝説もこれで説明がつく。こいつをポケットに忍ばせとけば銃弾をそらすくらい朝飯前。Oh le salaud, il trichait déjà à l'époque. Il avait juste à savoir sabrer en fait et c'était déjà fini. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Alors attends, on va faire ça bien. Hein. Messieurs, dames, du coup, on va taper une double victoire parce que ça y est, on a augmenté l'Aquila à balle. Donc il est prêt pour toutes les missions navales à venir, Beedle or not Beedle. On a trouvé comment faire des sous, et ça c'est nice. Les voix jap, ça change tout. Ouais, mais en même temps, je pense qu'on va les garder pour les missions d'après parce que on aura l'occasion de découvrir ça aussi autrement. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. On a obtenu un anneau qui va dévier les balles. Je vais tellement plus faire d'efforts.
Je vais tellement plus faire d'efforts, c'est terrible. Et normalement... Elle est où? On m'avait promis une tenue. Elle est où? On m'a promis une tenue. Où es-tu? Une tenue du Captain Kidd. L'équipe est là. Attention! Je sais pas. Il y a une vibe... Ouais, c'est particulier en fait. La tenue, elle est mixée entre des bonnes et des très mauvaises choses. Elle est trop propre en fait. Ah, c'est terrible! J'arrive pas à savoir si je l'aime bien. Attends. Va un petit peu. Alors, Altaïr, bon, c'est mort. Il faut le 100% du jeu, ça c'est mort. Achille, ce sera plus tard. Ça, on l'a fait. Esprit animal, c'est le DLC. Bayek, ok. La tenue du capitaine de l'Aquila. La tenue du capitaine de l'Aquila, elle est moche. Hein. Ah, la tenue du capitaine de l'Aquila, elle est vilaine. Hein. Elle est vilaine, mais bon, en même temps, on la découvrira aussi dans l'épisode prochain, hein, puisqu'on l'a encore jamais mis pour le moment. Avec le contexte historique du jeu, non, ça va pas du tout. C'est moche, le chapeau. Bah, limite, le chapeau, c'est presque ce que je trouve le moins moche. Je sais pas, ils ont fait un espèce de mixage entre plein de choses. Ça va pas trop. C'est pas terrible. Bon, bah, écoutez, messieurs, dames, c'est une victoire. Hein. Ça nous aura pris 1h30. Une heure et demie de défaite, une heure et demie de crasse, une heure et demie de galère. Je vais racheter des pots. Bah, une peau en fait. Je suis ruiné. Je vais littéralement repartir avec une peau. Ah la vache. Bon, en vrai, cette peau, en espérant que la vente se fasse, va me rapporter 840 livres, qui va m'en rapporter plus derrière, etc., etc., etc. Mais là, du coup, je repars à nouveau des bas-fonds pour me refaire des sous. Mais du coup, et on s'en fout, parce qu'on a fait l'amélioration totale de l'Aquila, ce qui fait qu'on est prêt pour l'ensemble des missions à venir, et que nous, sur Twitch, YouTube, on va pouvoir enchaîner correctement. Et ça, c'est ce qu'on voulait, parce que c'était les dernières choses qui nous manquaient pour boucler l'aventure principale. Et on est content. YouTube, merci pour tout, je te fais des gros poutous partout, et puis je te dis à très vite dans l'épisode prochain, soit on se fait du Beedle, soit on se fait, écoutez, les quelques missions qui traînent pour nettoyer les océans et puis revenir doucement, mais sûrement, vers le scénarium et la fin de l'histoire principale. Allez, de gros bisous, ciao ciao.